C'est retourner comme à la case départ. Puis bien sûr. Ah, ça c'est un son que je reconnais. Il aurait dû se passer une vendeuse par contre ça. Eh bien oui, le fameux THX. Bien sûr, produit par Namco. Namco Project Soul. Oui, bien sûr, j'ai eu. Ça, honnêtement, comme ça changera jamais, là. Les intros de Soul Calibur, là. Toujours aussi sacoche, puis toujours aussi innovant. T'sais, c'était sûr, quand même, que Soul Calibur 3, il allait faire moins fureur, contrairement à Soul Calibur 2, contrairement au invité spécial de personnages qu'on avait. Link, Heihachi, puis Spawn. T'avais quand même des petites différences, là, ce qui est pas pire. Là, bien sûr, c'est Strikefield. Même pour des vieux jeux, je veux dire. Quand t'as quand même un très bon budget cinématique, là, t'as rien à dire là-dessus. Kilik. Xanwa, bien sûr. Ah, je me souviens plus de son nom. T'es qui puis Mizuraki. Ouais, ça c'est sûr et certain que je présente quand même mais la peau des bonhommes qu'il y a. Ça, ça doit être Sophitia puis Cassandra. Ivy. Contre mon propre appareil, ça va la vitesse. Mais pour être honnête, en gros, là, tu sais, j'avais tourné ce jeu-là dans le passé, mais j'ai eu des problèmes. Ben, pas des problèmes, en fait. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai sortie, la première vidéo. Je sais pas si c'est vraiment la première vidéo, l'officielle, là, parce que j'ai tourné aussi des rediffusions que j'ai faites dans le passé, je me souviens plus quelle date. Mais en tout cas, toutes mes anciennes vidéos avaient été supprimées. Fait que c'est pour ça que ce que j'en remets et je vérifie pour la suite. Là. Puis je veux dire, je refais des story modes comme j'ai fait avec Soul Calibur 4, puis là je suis en train de faire la même chose avec Soul Calibur 3. Pourquoi je dis Soul Calibur 3, j'ai le goût de le faire, c'est parce que il y avait des affaires intéressantes, puis en même temps, il y a de quoi que je dirais pas plus, mais que pour moi, c'est primordial. T'sais, avant les Soul Calibur, il y avait Soul Blade ou Soul Edge, ça dépend comment que prononçait le jeu. Bon, let's go for Soul Calibur 3. Soul Calibur 3. Hello toute la gang, hey yo toute la gang, ici Dungeon Rams Kid, puis justement on atterrit sur Soul Calibur 3. Puis c'est pas n'importe quoi qu'on fait.
Ben là, je vais juste skipper les matchs. Là, on va commencer directement le mode histoire. Parce que c'est quelque chose qui est quand même intéressant à faire. Tales of Souls. Fait que let's go. Fait qu'on va commencer justement avec la belle Cassandra. Je suis allé très vite, je sais pas s'il y avait un costume alternatif, mais on va y aller comme ça, on s'en calisse. T'sais, là, je pense pas pouvoir traduire le plus que je peux, là. Là, ici, en tout cas, elle a essayé de détruire Soul Edge avec dans la place de sa sœur. Puis, en tout cas, c'est en lien à pas mal, un petit peu, une affaire. En tout cas, en lien avec sa sœur, en lien avec Soul Edge. Puis c'est ça. Ça me tente pas vraiment de traduire, mais ceux qui comprennent bien l'anglais, ben ils savent à peu près de quoi ils sont capables de lire. Fait que. Oui, c'est ça qui est ça. Contrairement à Soul Calibur 4, ben il y avait une traduction française. Ben là, je lisais, il y avait pas de problème. Mais là, j'ai pas la tête à ça. Puis, by the way, c'est à peu près la même affaire. On lit l'histoire, puis on se pète la gueule. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, nous autres. Ça va être du racabessique, mais ça va être du racabessique. Alors, ça va être du racabessique, puis c'est du racabessique. On s'en calisse. C'est là le pète la gueule. Puis on va le faire en tabarnak. Oh, fuck you. Hey, fuck off. Ben, va chier, c'ti. What the fuck? Ben, calisse. Juste une crise de vie, tabarnak! What the fuck? Hey, tu parles d'un esti de jeu, toi. Ben, fuck off. Chris, tu peux même pas te reprendre. C'est un peu débile, disons. T'es en calice. Ben, je pensais même pas. Après un knockout, c'est 9-8, blablabla. Tant mieux, on libère les items. Moi, c'est tout ce qui compte. Libérer les items, puis blablabla. Oh, j'ai cliqué trop vite, comme d'habitude. Ok. Ben, je pense que je vais plutôt aller Return to Title. Puis refaire. Bon, j'ai débloqué des affaires. Merci, bonsoir, mais moi, ce sera pas suffisant. Je vais juste refaire le mode story encore. Parce que ça me dérange pas, dans le fond. Let's go, Tale of Soul. Non, moi, j'ai pas abandonné. C'est juste que j'ai fait l'histoire trop vite. Je voulais prendre mon temps. C'est quoi le deuxième costume, pour le fun? Oh, tabarnak! Ok, ça, c'est une couleur éditée. Cyber, ouais. On va aller avec ça. Ça va faire spécial. On va faire de quoi d'un peu différent. Bon, bien sûr, j'ai déjà lu ça. Fait qu'on y va. On pète la gueule. C'est un peu méconnaissable, mais ça, pourquoi pas, hein?
Fuck you. Oh tabarnak, je t'ai pas manqué, mon esti. Nice. Fait que là, c'est quoi cette affaire-là? Parce que, la raison pourquoi je décide de skipper de parler et dialogue, là aussi... Parce que j'ai donné plus mon cœur au dialogue quand on jouait à Soul Calibur 2, puis qu'il y avait Link dedans. Ça nous remontait le moral à bloc. Rechercher Sophitia. Ouais, let's go. The fighters face a gruesome quest to... I'm gonna give it my all. Let's go, c'est là le spectacle. Pas pire. Oh shit. J'ai pas manqué. Bien sûr. Aussi, t'avais des tramsonons qui avaient pas tellement changé, puis... C'était comme tout simplement, en quelque sorte, un update de Soul Calibur 3, une partie. Ce qui est un petit peu de valeur, tu sais. On y va pour Sophitia. Bon, là, c'est quoi le style de bouton? N'involte-toi si tu veux vivre ou jouer dessus, blablabla. Oh yeah, je l'ai évité. Tu es mieux que je le pensais. Tes habiletés sont impressionnantes. Alors c'est quoi c'est la suite? Ok. On se pète à gueule. Oh tabarnak, j'aurais pu crever de drette là. Fuck you! Ben, calice! Ça a pas tellement changé, calice. Des calices. Putain, toi! Mon esti trou de cul. Ouais, c'est normal de le light. Nouvel item libéré. On s'en calisse. Poursuit l'homme là. Non, on va y aller pour Soul Edge, c'est l'histoire. So let's go. Ça doit être Yon Song. Fuck you. Thank Alice.
Voilà. Nice. Ils sont attaqués par les pirates, ça là. Ah, tabarnak. Je n'ai pas besoin pour des armes faibles. Calice. Fuck you. Ça marchera pas certain. Hey, fuck you. Putain, tabarnak. Je peux pas faire tellement grand chose, mais c'est ça qui est ça, je pense. Ok. Well, next. Let's go. He pursues a demon to avenge his fallen comrades. So let's go. Calice. Ah, oh, fuck you! Si je l'avais. Mes coups de pied sont plus lents, je pense. Ah ouais, avant. Il était temps, Calice. C'est juste la même crise de shot que je filme. Ok. Parce que les seules histoires que j'ai faites, je pense, dans ce Soul Calibur là, c'est juste Cassandra, Talim, j'ai pas fait grand chose. On a débloqué le plus d'affaires possible si on est capable. Ce serait pas une mauvaise idée. Let's go. Je vais rien que faire la même chose, calice. Hey, fuck off. Damn, c'est... Même si je voudrais faire des techniques niaiseuses, ça marchera pas tout le temps. Là. Bon, ok. Là, on est aux Philippines, si je me trompe pas. En fait, je sais pas. Calice. Ah,
Fuck you, hostie. Ok. Tant mieux. Ben, volons chier, calice. Fuck you. Calice, comment tu le fais pour fucking grabber? C'est normal n'importe quoi. Ça parce que moi j'ai pas une longue portée là, c'est ça qui fait chier. Ben voilà, on chier Coralis. Okay, je veux bien l'attaquer, mais là tabarnak de Coralis. Oublie ça là, Chris. C'est vraiment de la tabarnak de merde, ça. Mais va donc chier, calice. Rendu là, j'aurais débloqué toutes mes affaires, même en mode facile, esti. Hey. C'est donc ben n'importe quoi, calice. Hey, va chier, tabarnak! Comment tu veux que je survive à ça, sti? C'est donc ben du n'importe quoi, calice! Sti de berserker de marde! Fuck you. You lose. Come and get me. Versus Berserker. Fight. Fuck off. Hey, va chier. Chris, je l'avais, tabarnak! Ben, va donc chier, esti! Ça, là, si. Il m'a le faire en mode facile si je suis pas capable, tabarnak. Chris, l'autre fois, je l'avais, je suis comme. Hey, calice de tabarnak! Maudit enfant de pute! C'est pas croyable. Hey, siboire de calice. Ben voilà, chier de tabarnak. Fuck off. C'est injouable, ce petit calice.
Ben, je vais rage quit bientôt, Calis. Hey, cette calice de tabarnak, là. Non, il était temps, sti, d'en finir. Fuck you, Berserker. Non, je te dis, j'étais à deux doigts de faire un esti de rage quit parce que ça me faisait tellement fucking chier, sti, comme ça n'a pas de bon sens. Plus de ça, je me fais mal, sti, à mon poignet. So you don't think that what you're doing is wrong. Stupid girl. Have you anything else to say? As-tu d'autres choses à dire, fille stupide? Bon. Fuck you? Asti, ben, fuck off, asti! Il t'en manquait pas! Chris! Il manquait une crise de coche puis je t'avais en one shot! What the fuck? Fuck you! Dang, il t'attend! Je suis pas habitué de jouer sa fucking PlayStation avec ça. Ah, fuck off. Bon, tata. Je dirais qu'il fait rien que ça de calice de sa vie. Je ne pense pas que c'est ta chose. I'm impressed that you made it this far. Not bad at all. My dream is about to be realized. You, however, are not worthy of witnessing this glorious moment. Leave this place at once. Oh boy. What am I supposed to do against this thing? Ugh. Versus Abyss, fight. Ouais, je peux pas tellement faire grand chose en lui. C'était sûr, je pouvais pas faire grand chose. Versus Abyss. Il était encore ici.
Ah non! Si je l'avais! Fuck you! Ah, il va chier. Fuck you aussi. Chris, s'il en manquait pas gros, je l'aurais eu en one shot, cette petite cave là. Mais oui, perfect, mon cul, tabarnak! Hey, t'es un calice. Fais mon esti. Oh fucking jerk. Hey, va chier. Que je fasse de quoi, c'est-tu? T'es un calice. C'est-tu tonne marde de tabarnak pareil, hein? Mais c'était le Berserker qui m'a fait le plus chier, c'est débile. What am I gonna do? Ouais, détruit son épée, bien sûr. Isn't in the best shape. Oh well, there's no use in hanging around. Come on, let's hurry home, Safitia. Oh, yes. Bien. Donc au moins, ben. Premier épisode ça conclut. On verra pour les autres. Mais c'est sûr et certain que mon but c'est d'en faire plus que juste un. Ça va faire partie de la game, ça c'est sûr. Sauf que là je vais m'essayer juste à créer un bonhomme de même, là, comme j'ai fait dans Soul Calibur 6 avec plusieurs bonhommes que j'avais fait. Là. Je me suis dit ben ah ouais, pourquoi pas, ça tue personne. Hein. Moi, fait que. Puis c'est sûr et certain que c'est quand même très bien fait, là, on se le cachera pas. Mais, il fallait s'attendre qu'il y ait moins de succès, là. Parce qu'en même temps, c'était comme une copie-collée du Soul Calibur 2, là, tu sais. Faut quand même pas se le cacher. Mais sinon, de mettre la customisation de
Mais je veux dire, créer, se pouvoir créer un personnage, ça, je trouve ça quand même impressionnant. Puis, au fur et à mesure, tu débloques des affaires. Fait que, tu sais, c'était quand même le début là, de ça. Mais à quoi bon, tu sais. C'est sûr et certain que concernant la PlayStation 2, t'avais peut-être certaines affaires qui étaient bonnes, mais c'était plus. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ça dépendait de certains jeux. Je pense que celui-là, il y avait peut-être légèrement un peu moins de budget contrairement à Soul Calibur 3. Non, Soul Calibur 2, excusez. Soul Calibur 3, c'est le jeu que j'étais en train de jouer, mais. Mais il y a eu plus de modes de jeu, ça on se cachera pas. Il y a bien des affaires que j'ai pas découvert, puis que j'ai goût de découvrir à fur et à mesure, fait que c'est pas pour rien. Bon. La trame sonore, par contre, a pas tellement changé. On se cachera pas. Puis la trame sonore de fin aussi pour Soul Calibur 2. Pour le moment qu'ils ont fait ça, ils ont voulu un peu accélérer leurs affaires. C'est plus comprenable aussi. Ouais, fait que... Après, justement, la création de mon bon bonhomme, ça va carrément être la fin de l'épisode 1. Puis, mais sinon, tu sais, les artworks et tout, tu sais, il y a rien qui change, je veux dire, c'est ça à coche. Tu sais, t'as quand même eu de la nouveauté pareil. Il y en a qui vont dire oui, Soul Calibur 3 paraît incomplet, mais ils ont quand même un peu tort pour certains affaires. Ouais, bien sûr, ce que vous savez pas non plus, c'est que mon chien est à côté de moi. Au début, elle dormait. Au final, j'étais un peu à déranger, puis elle veut pas s'en aller où est-ce que je suis, Master. Mais anyway, vraiment fine, cette chienne-là. Ouais, fait que c'est ce qui va conclure justement bientôt cet épisode, mais je vais checker pour créer mon bonhomme.
T'sais, il y a bien des affaires incomplètes, on se le cachera pas, là. Au fur et à mesure, on débloque des affaires. Mais par contre, 57 500 gold, pourquoi pas? Les Iron Man, ok, oui. Cervantes. La cathédrale en ruine. Ouais, les tableaux. Un autre tableau. Un autre tableau. Bah, ça, c'est pas un truc. Je vais trouver juste le point. Nirvana. Il y a bien des affaires qui se rajoutent, fait que. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le shop. Spine Lane. Ok, le Wudao, je connais bien ça. On va aller aux items. Cassandra d'illustration. Non. Démonstration. Survival, score, Battle Theater, j'irai pas là, là-dedans tout de suite. Good speed to you. Please come again. Welcome to my store. Moi, checker qu'est-ce qu'il y a. Viking. C'est sûr, au fur et à mesure, il y a des affaires qu'on va débloquer. Ok. Go to item shop, go to weapon shop. Ouais, je vais aller sur weapon shop parce qu'il y a de quoi qui m'intéresse. Aller pour le Wudao. Merci. Merci, bonsoir. Oh ouais. Parce que là, je vais me rendre à créer un bonhomme, puis après ça, je vais pouvoir éteindre cet épisode-là. Non, moi je veux juste créer un nouveau bonhomme. J'ai juste 3 data. Avec une femme, bien sûr. Dancer. Saint. Hmm.
Ben moi c'est pas que... Ben... Je vais voir ce que c'est. Que moi j'ai juste fait en fait, j'ai rien fait là, c'est juste. C'est pas, j'essaye de comprendre. Ok, delete. Dagger. Bon, on y aller avec ça. Is there no other solution to this? Comment je fais pour? Ah, finalement, ça a l'air d'être compliqué. Faut que je trouve la bonne affaire. Puis, c'est pas évident, là. Ben, je veux bien essayer de trouver l'arme, mais j'ai aucune crise d'idée, honnêtement. Parce que là, sûrement, pour l'instant, j'ai pas énormément de job, là.
En tout cas. Ouais, c'est comme un peu complexe mon affaire. Bon. Comment qu'on va appeler ça? Avec ça. Le skin. Ben là, pour l'instant, je suis juste une création rapide. Qu'est-ce que je fais? On va
l'appeler. Oh. Na. Nim. Ça, c'est un personnage que j'ai inventé moi-même. Puis je l'avais créé en tant que Mi dans le temps sur la Wii. Puis je me dis, là pour l'instant, c'est juste un bâtard de même. Là. Et let's go. Oh, it's ok ça. Fini. Ok. On a testé le bonhomme avant de partir. Ouais, je pense que je comprends un peu comment ils font pour leur faire des créations. Ok, ça c'est les bonus characters. Ils ont copié ça à partir du Soul Calibur 4. Ça c'est pour la carte SD. Hein? Non, c'est ça, j'ai pas de data. Ben, what the fuck? Et je l'ai pourtant sauvegardé. Pourtant, j'ai mon personnage. Voilà. Peut-être juste en sauvegardant, ça va changer quelque chose. Je vais juste faire une pratique. Juste un entraînement. Bon, il est à temps. Ah, fou, c'est un petit personnage bêta, puis on y va. Là, c'est juste pour s'entraîner. Ok, on y va. Versus Cassandra. Là, c'est juste pour faire des tests. Oh tabarnak, je pensais pas que je pouvais faire ça. Le fuck, ok. J'ai fait le tour avec ça. Ouais, j'ai vraiment fait le tour avec ça.
Bon, fait que... Bon, fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, ainsi de suite. Oui, je sais, une partie, j'ai un peu glandé, une partie, c'était concernant la création du personnage, mais je connaissais pas trop le mode de Soul Calibur 3, mais là, c'est-à-dire, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que la job que tu sélectionnes, ben ça va être les armes qui vont être compatibles avec ça. Puis c'est pas mal ça là. Sinon c'est par classe. Fait que c'est un petit peu différent de faire un personnage vraiment personnalisé, mais ça comme en quelque sorte personnalisé, mais d'une manière un peu différente, tu sais. Bon, c'était Dalgen Ramskid pour Soul Calibur 3, fait qu'on se voit pour le prochain Let's Live. Ciao la gang!